Ah, mais ça met l'ambiance en tout cas, cette musique. J'aime bien. Ce sera pour la. Le best-of. Finalement, j'ai mis teaser saison 2, machin, mais c'est pas vraiment ça, finalement. C'est plutôt une erreur ce que j'ai fait. On s'est rendu compte après coup, mais ça aurait voulu dire refaire la miniature, le titre et surtout la vidéo. La flemme. Mais non, mais en fait, c'était plus un best-of de la saison 1 que j'avais fait. Je crois que je vais faire ça après pour la saison 2. Et cette musique-là, je l'aime bien, ça va. En vrai, ça passera bien. Mesdames, messieurs, c'est un truc good vibe. Et bienvenue. Le relief est plutôt vallonné. Ça risque d'être une course très tactique. Et c'est parti pour l'étape 4 de l'étoile de Bessèges. Nous sommes leaders et nous sommes plus malades. Et nous avons un plus 4. Oh, c'est pour nous. J'annonce une victoire. Ambitieux. Oui, je sais. On a le maillot là. On a le maillot. Là, ça veut dire que c'est pour nous ici. Ok. Pas de chichi. On y va. Grosse ambiance. Grosse ambiance. J'espère juste qu'on va pouvoir rattraper les échappés. Moi, j'ai toujours pas plus d'infos sur mes copains. Si, Train 73-73. Enfin, non, j'ai pas plus d'infos, mais je suis content de me rappeler qu'il est plutôt fort en montagne. Tu restes derrière moi encore, toi. Toi, t'es mon copain à Bessèges. Wow, on est passé sur un changement d'ambiance là, les copains. Attends, vous savez quoi, je vais remettre celle-là. Et comme ça, je vais avoir la musique Good Vibe pour le final, vous allez voir. De s'échapper en tête du peloton. Ça a tombé au bon moment. Enfin, j'espère. Puis au pire, tant pis. Hein. On verra bien. Allez. Parce que là, je vous annonce une victoire là. J'espère juste que vous pourrez me faire confiance et me croire. Mais en tout cas, on va tout faire pour. Non, attendez, là, on est en super forme. Là, ça nous fait un 78 là, 75. Bon, là, ici, il faut pas regarder. Mais, là, hein? Alors, surtout que Stewart... Bouge pas, Stewart. Il ne faut pas que le peloton s'étire trop, sinon il, ah, il pourra pas tout faire avec sa barre rouge, hein, donc ça va le calmer. Hein. Y a qui d'autre de proche au classement là? Aïe. Bon, lui, c'est un peu plus un problème quand même. Connor Swift, ça va. Stewart est meilleur que Swift. Ok, d'accord. En montagne. Kuanon, pourquoi pas. Du coup, bon, on ne sait absolument pas. Plankaert, je dois vous avouer que le nom du coureur me parle, mais là, comme ça, je ne sais pas trop ce qu'il vaut. Bon, après, on est un peu dans le flou. Il me semble que Dujardin, on le connaît, lui, non? Je crois que Dujardin, il se débrouille bien. Mais après, on a égalité en termes de temps, donc juste arriver devant lui et c'est bon. C'est réglé. Et c'est réglé. Allez, on met en x8. On reste un effort curseur de 70, on garde un maximum d'énergie. Comme ça, on explose tout sur la fin. Tout va se jouer sur cette étape-là. Philippe Ogana, on a vu qu'il était à 68 montagnes. J'espère qu'il n'est pas en forme, mais j'étais sous... Ah, 1-2. De toute façon, j'ai pas l'impression qu'il joue le général. L'échappée du jour ne convient pas à tout le monde. Quoi qu'il est placé là. A largement augmenté son rythme. Je retire ce que j'ai dit, j'ai l'impression qu'il joue le général. Mais non, mais il y a Sivakov pourtant à 46 secondes. Aïe. Mais Garen Thomas. Mais attendez. Coucou toi. Mais qu'est-ce que tu fais là? Bon. Est-ce que vous vous souvenez lorsque je vous ai dit que j'allais gagner l'étape? Mon capital confiance vient d'être divisé par deux. Oh, au secours. Ah, mais c'est bon, j'ai la musique de la motivation et du bonheur. Allez. Tout va beaucoup mieux d'un coup, là. Rien qu'avec ces petites notes. Par contre, on se concentre, là. On déconne pas. Train, je compte sur toi. Toi aussi, je compte sur toi. En vrai, toi déjà, dès maintenant, je compte sur toi. Vas-y, remonte.
Le peloton vient de reprendre les échappées. Ok, Train, tu te mets derrière lui. Moi, je me mets derrière Train. Et là, vous allez voir la Uno X Pro Pro Team Cycling. Hein, voilà, celle-là. Of Norvegia. N'importe quoi. Norway. Vous allez voir ce que ça vaut. Je vais arrêter de dire n'importe quoi et me concentrer. Ok. 6,5 en termes de pente. Ça veut dire qu'on attaque. 90. Les coureurs sont maintenant dans un passage à plus de 10%. Train, il faut suivre par contre, Train. Oh là là. Ah d'accord. Train, s'il te plaît. S'il te plaît, Train. Bon, 95 finalement. Train revient à peu près. J'ai l'impression que ça se passe pas vraiment comme prévu. Bon, ok. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Toi, tu te ranges. Toi, tu vas être beaucoup trop tôt. 90. Rivera, Van Gies. Mais après, il a 73 en fait. En fait, 85, ça ira, ça fera le taf. Allez. 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 Le rythme imposé semble trop élevé pour beaucoup de coureurs. Continue, continue, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ah, il y a Barguil qui va. Je prends sa roue. Tu peux te poser, toi, c'est bon. Ya Barguil. Barguil qui va. Barguil qui a l'air cuit. Ça en est trop loin et puis c'est trop raide pour l'instant. Je garde sa roue. Je garde sa roue. Ah, c'est chaud. Coucou, toi. Il y a Sivakov à côté. Non, mais what the fuck. Ils sont tous à bloc. 95 maintenant. Allez. Allez. Allez, vas-y. On donne tout. On donne tout. Allez. Et c'est la victoire. Je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit. Qui a douté? Qui a douté? Mettez-le en commentaire. Non, pas en commentaire, ça va me vexer. Non, 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 non. Le mettez pas. Ne dites rien. Ah, mais non, problème. Comme personne commente encore mes vidéos, quasiment personne va rien dire. Tout le monde aura douté. Je pourrais pas savoir. Oh merde. Vaut mieux garder le silence. J'ai gagné. Les retardataires finissent au mental. Les en tout cas, sachez que je n'ai jamais douté. Le gros mytho. Je n'ai jamais douté. J'ai toujours été sûr. Et après tout, Heike Christiansen, il a peur de qui? De lui. Et puis c'est tout. Que ce soit bien clair. Mon plus grand ennemi, c'est moi. Oh la fin, ça va partir en philosophie cette histoire. Victoire de Christiansen à l'étoile de Bessège. Merveilleux. Et du coup, accessoirement, petite cerise sur le gâteau, on conforte notre avance pour le maillot à pois. Et oui. Regardez ça, regardez ça. On va se délecter un petit peu de ça là. Regardez, regardez. Clac, ça déborde là. Pop, hop, hop. Et voilà. Et là, c'est quoi? C'est du bonheur. Un concentré de bonheur au sommet d'une petite montée. Bon, par contre, on n'a pas un écart très significatif malgré tout. J'espère que Stewart y est bien derrière. Après, on a quand même les bonifs, donc ça devrait le faire. Hein. Et il y a encore le chrono qui m'inquiète un peu, parce que c'est pas un vrai chrono. Ça fait moins de 20 km, donc ça va être la note de prologue qui va compter. Et je suis pas aussi incroyable que ça. Avance de 20 secondes. Je vois pas de Ghana, c'est déjà ça. Sandy du jardin, hein. Il est encore là lui. Hein. Anthony Perez, Thorstein Train, très bien. Geraint Thomas, 42 secondes. Par rapport au prologue qu'on a à faire, ça m'inquiète plus trop. À quoi que ça peut aller vite avec lui, il est quand même super chaud. Hein. Bon, dans le pire des cas, de toute façon, on a assuré le maillot à pois. Le maillot des points, c'est mort pour moi. Meilleur jeune, c'est possiblement gagnable. Je vais pas dire gagné,
Parce que je sais pas ce qu'il vaut, Lime Rise. Je sais pas trop ce qu'il vaut. Et j'en saurai pas plus maintenant. Sivakov, prologue, il est pas foufou non plus. Barguil non plus. Je suis meilleur que Barguil, hein. Ouais. Hey, il y a Patrick B20. Ah ouais, alors lui par contre, bon. C'est pas gagné. J'ai quand même 20 secondes d'avance. C'est un prologue qui est relativement court. Enfin, c'est un chrono qui est relativement court, donc il y a moyen que ça passe quand même. On y croit. 9,7 km. Allez là. On a l'étoile de Bessèges à gagner là quand même. Imaginez, saison 2, l'étoile de Bessèges. Quel coureur! Vive la Norvège, moi je vous le dis. C'est marrant de voir qu'il y a. Je change pas le point de sujet, mais il y a Calme Jeanne qui est revenu dans le jeu. Attention, pas pour de vrai. Hein. Mais dans le jeu, il y a Calme Jeanne qui est revenu à Total Energy, c'est marrant. Voilà, ça me fait juste un petit peu. Ça fait sourire, quoi, tout simplement. Je sais que vous tous, très probablement, vous en avez absolument rien à faire. Comme dirait notre président, ça vous en touche une sans bouger l'autre. Parole présidentielle, n'est-ce pas? Et ça me parle mal. Terminé dans le top 5 au classement général final et dans le top 10 de l'étape. Ah, top 10 de l'étape, ça me parle bien, ça. Ça veut dire que mon gars devrait pouvoir faire quand même quelque chose. Kowalski, Levasseur, Verheyen, Van Hemlen, Stewart. Stewart? Mais non, c'est pas le même. Murray, Vermersch, Mario. Trop bien, il y a Mario en France. De Beaumarchais, ça c'est bien français, il n'y a pas de doute. Eh, hey, Yaniv! Petit clin d'œil à tous ceux qui ont suivi les étapes du Tour de France que j'ai sorti sur la chaîne. Évidemment, c'est le Tour de France version PCM. Page, Gauthier, Bouddha, Carizet, Maliki, Anderson. Par contre, ce qui est dommage, c'est que là, je peux pas suivre ce qu'ils font en fait. On voit pas trop. Alors là, c'est le chrono 2. Faudrait que j'aille sur. Ouais, non, c'est bon. Les chronos sont assez intéressants quand même. Bah, c'est avec Plancaert, Louvet, Levaux, Holmes, Touzé, Barta, Neylands, Ryu, Earl, Areruya. Monsieur de Lettres, Seigle, Jarnet, Merz, Sai, Laurence. Ah, il y a Laurence qui est parti. J'ai une collègue qui s'appelle Laurence, ça me fait rire. Simon, Durbridge. Je crois qu'il est fort en chrono, lui, Durbridge. De toute façon, on va voir. Là, déjà, on voit Bob Jungels. 11 secondes. Ce qui est intéressant, c'est de voir les écarts qu'il y a. Par contre, attendez, cette musique-là, c'est pas possible. Il y a juste un moment, il y a une limite quand même. Il y a un moment, mes oreilles ont une limite. J'aime bien écouter des nouvelles choses, mais là, ça ressemblait à une agression auditive quand même. Désolé pour ceux qui aiment bien ce genre de musique, mais chez moi, ça a du mal à passer. C'est comme typiquement le jazz. J'ai rien à reprocher au jazz. Vraiment, objectivement, j'ai rien à reprocher au jazz. Et pourtant, alors je saurais pas vous expliquer concrètement pourquoi, j'ai horreur de ça. C'est pas que ça. Enfin, c'est que ça me tape sur les nerfs en fait, vous voyez. Ça m'énerve. Mais vraiment, littéralement, à l'intérieur de moi, ça me monte en pression en fait. Tu sais, c'est moi, tu me joues un air de jazz devant moi, ton trombone, tu le prends dans la tronche quoi. La violence. Non mais. Mais sans animosité, rien du tout, hein. C'est juste, ça m'énerve quoi. Oh, le mec. Vous allez me prendre pour un grand enragé de fou furieux là. Non, mais je suis quelqu'un de très calme dans la vie. Hein. Enfin, de calme, de gentil en tout cas. Enfin, en tout cas, je crois. Personne ne s'est plaint en tout cas. Tout le monde a toujours dit que j'étais gentil autour de moi. Après, peut-être que je les intimide, ils ont peur. Hein. C'est possible. Alors, faut que j'arrête de dire ça sur internet. Je suis en train de m'auto-faire une réputation de fou furieux. Mon dieu. Le mec s'auto-détruit. Bref, toujours est-il, nous revenons sur Ike Christiansen, votre coureur favori, je n'en doute pas. Pouf, on s'est pris l'appareil photo, le bras du gars. Mon dieu. J'ai l'impression qu'il gère très bien son effort. Alors par contre... Ghana a pas l'air si fort que ça, là. Hein.
Et Garin Thomas non plus. Ah, attention, on est où? Aïe, on est où? Là. 10 secondes. 10 secondes. Attendez. Et Garin Thomas, il est à... Oh, ça va! Vous avez vu les écarts qu'il y a là? Patrick Bévin. Je crois que ça va le faire, je crois qu'on va gagner le Grand Prix de Bessèges. Je crois qu'on va gagner le Grand Prix de Bessèges. Attendez. Allez, vas-y, hike. Allez, monte comme ça, là. 90, l'effort. On pourrait même monter plus haut. Hein. Non, pas plus haut. Pas plus haut. Ouh là là, pas plus haut. Pas du tout plus haut. Allez, mon grand. Allez, mon grand. 88. Bon, on peut remettre à 90. On est à la fin, on est à la fin. Allez. 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 Je croise les doigts. Oui, victoire, on a gagné. On a gagné l'étoile de Bessèges. On a gagné l'étoile de Bessèges. Dès le mois de février, les gars, dès le mois de février, on a gagné une course par étape. On l'a gagné. Un jeune coureur de 20 ans. Un jeune Norvégien sorti de nulle part. C'est beau. C'est une belle histoire qui s'écrit, moi je vous le dis. Ike Christiansen. Qui récupère du coup le maillot de leader général. Le maillot du meilleur grimpeur. Il passe à côté du classement par points. Et gagne le classement des jeunes. Logique. Avec 1 minute 6 d'avance sur Alexis Brunel, c'est beau. Hein. Classement par équipe, bon bah là forcément on peut pas tout faire non plus. Hein. Il y a un moment, il y a des limites. C'est beau. Merveilleux, merveilleux. Eh, Jake Stewart qui s'est vachement bien débrouillé. Hein. Impressionnant. Hein. Patrick Bévin qui était juste là. Hein. 9 secondes. En fait, c'est quand j'ai vu que les 10 premiers ils se tenaient en même pas 20 secondes, je me suis dit que c'est bon, c'était gagné. Quoi. On a fait une superbe montée. Hein. La montée est super propre. Franchement. Ah, je suis content là. Nice. Oh, les patrons, quoi.